Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur Chaîne Cuisine Marocaine. J'ai choisi pour vous une recette que je suis sûre qu'il vous plaira. Raïf, farci à la viande hachée et légumes. Alors pour les ingrédients, on a besoin de 250 g de farine du blé dur, 250 g de farine du blé tendre, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de levure de Bollange et bien sûr l'eau tiède pour arranger la pâte. Pour la farce, on a besoin de la viande hachée, les légumes. J'ai choisi l'oignon haché, carottes et courgettes râpées, aussi poivron haché et d'olive. Et bien sûr, persil, le mélange de persil et coriandre haché. Les épices, le poivre, le sel, le curcuma, et la sauce piquante, si vous avez envie et le choix. Premièrement, versez la farine, mélangez et pétrir la pâte. Couvrez-la et laissez-la à côté. Dans une poêle sur le feu, versez huile, dès qu'elle préchauffe, ajoutez la viande hachée, l'oignon, les épices, le sel, le curcuma et le poivre. Ajoutez le poivron. D'olive. Et remuez quelques minutes. J'ajoute carottes et courgettes râpées. Remuez quelques minutes. J'ajoute en dernier temps persil et coriandre haché. Voilà, la farce est bien cuite. Retirez-la du feu et laissez-la se refroidir. Après ce temps, divisez la pâte et formez des boules de la même taille et à chaque fois, huilez les mains pour qu'elles ne collent pas. Étalez une boule de pâte et versez une cuillère de farce au centre. Il faut que la farce soit bien refroidie pour éviter que la pâte se déchire
pendant la manipulation. Voilà. Rangez-la. Sous forme d'une boule. Voilà. Mettez-la à côté. Une autre. Voilà. Dès que je finis, je commence par la première que j'ai manipulée. Étalez-la et mettez-la à cuire dans une poêle à feu modérément chaude. Juste un petit peu, comme ça, pour éviter qu'elle se déchire. Voilà. Il faut qu'elle soit cuite en deux côtés et qu'elle prenne une belle couleur dorée. La recette de raïf est délicieuse et parfaite pour le dîner ou bien pour le goûter. N'hésitez pas de le faire. Je suis sûre qu'il vous plaira. Et voilà, je vous remercie infiniment de suivre la vidéo. Et pour plus de nouveaux, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne Cuisine Marocaine pour plus de nouveaux et de recettes faciles et simples à réaliser. Je vous souhaite très très bon appétit et à la prochaine.